Ce que je vis dans Sokou, ce que j'ai vécu avec Sokou, c'est qu'il faut avoir quelque chose à donner aux jeunes, faire aimer les jeunes le football pour que demain ou après-demain nous puissions augmenter leur niveau de jeu, faire aimer le foot pour que notre pays soit parmi les grandes équipes, les grands pays de l'Afrique. Et Sokou est destiné à aux entraîneurs des jeunes ici au Burundi, et je dirais qu'il vient à point nommé au vu de l'instructeur qui a donné Sokou et au vu aussi des participants, parce que presque tout le monde, à exception faite à quelques-uns, dont le vieux Lou Amars, les autres c'est les entraîneurs des jeunes, ça rentre bien dans le cadre global de la politique générale de la Fédération de football du Burundi de concentrer ses efforts pour le football de base, parce que c'est à partir du football de base que le football même senior va se développer. Et vous êtes des entraîneurs, des équipes des jeunes, et certains même commencent à être des entraîneurs adjoints des grandes équipes, des équipes de première division. Il faut travailler, on a dit qu'il a formé plus de 400 entraîneurs, mais sur terrain on ne les voit pas. Nous osons espérer que pour vous, vous resterez sur le terrain en entraînant les équipes des jeunes, aussi les équipes de deuxième ou même de première division. Profitez donc du contenu du cours que l'instructeur vous a donné. Il a dit consultez aussi le Google, donc maintenant on se forme. C'est bien d'avoir travaillé avec un jeune, un groupe de jeunes qui étaient vraiment avides d'apprendre, ils étaient très sérieux et j'ai vu qu'il y a un bon potentiel. Maintenant, l'essentiel c'est que par la suite il y ait un suivi et surtout que ce jeune-là ait la chance de travailler dans des équipes pour pouvoir acquérir une certaine expérience. Mais d'une manière générale, j'étais ici l'année dernière et je suis revenu cette année-là. Et j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de progrès et je suis sûr que ce n'est pas dû au hasard, c'est plutôt dû au travail de Dominique. Les résultats le montrent de par la participation des équipes burundaises dans les phases finales de compétition africaine et j'espère qu'ils vont continuer sur ce chemin positif. Et c'est juste essayer de travailler avec les qualités de Burundais et ne pas... tu vois, il y a une certaine réalité.
Le joueur burundais, il a sa propre spécificité et par conséquent, il faut lui donner une éducation adéquate, quelque chose qui vraiment s'adapte très, très bien au joueur burundais. Ah, la caméra.